Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Ce jeu, je pourrais m'occuper de toi comme j'ai l'habitude de le faire. Tu comprends? Auquel cas, tu perdras des deux côtés. Et voilà. Réfléchis bien, Yolande. Réfléchis bien. Voilà. Rachel, tu dors encore? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Rachel, calme-toi, explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Allez, dis-moi tout, ma chérie. Calme-toi, parle. Je l'avais surpris dans une chambre d'hôtel. Qui ça? Yacine et Rama. Quoi? Hyacinthe et Rama avaient une chambre d'hôtel. Et moi qui le défendais. Ah, mais cette fois-ci, c'est une déclaration de guerre. Et je te promets que nous allons faire front. C'est la dernière fois qu'un homme se fout de nous. Tu vas sortir de ce lit, aller prendre une bonne douche et puis on va les attendre en bas. Plus jamais un homme ne nous fera ça. Mais il s'agit de Hyacinthe, pas d'Hervé. Ma chérie, Hyacinthe au Hervé au c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Et je te promets, ma chérie, de ne plus jamais te laisser seule. Tu peux regarder, hein? Vas-y, tu fais au bout. Non, tout y est. Voilà. Non, ça va. Non, non, moi, je t'ai amené ici. Non, c'est non. Tu as payé, tu vas me donner commission. Non, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, voilà, tout est okay. Ça y est dedans. Alors, tout est dedans? Oui, ça y est dedans. C'est complet. Voilà. Ok, ok. Ça va? Bon. Ok. Maintenant, Hervé, c'est un homme à part. Et puis,
Il t'aime, lui. Je ne voudrais pas que vous vous disputez à cause de moi. S'il y a bien quelqu'un qui a commencé ça, c'est Hervé, avec l'histoire de la cabine, tu t'en souviens? Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Tu comprends? Mais attends, on va fermer la parenthèse là. Allez, tu sors du lit, tu vas prendre une bonne douche. Ils vont nous lécher les pieds cette fois-ci. Ils méritent une bonne punition. Bonjour ma fille. Bonjour. Et les gens de la cour? Chacun doit être dans sa maison. Hein. Voilà le propriétaire même qui sort. Mon ami Bongalo. Ah, Diaby. Quel vent, ce maudit. Bonjour. Bonjour, Diaby. Oui, tu m'as l'air triste là. Bonjour. Madame, bonjour. Aga. Hey, ça va lui envoyer à soi. Dépêchez-vous là. Oh! Madame, excusez mon tempérament. Oh, j'étais toujours comme ça. Diaby, Madame Diaby. Madame. Ok. Oui. Bon, voilà. Non, non, c'est déjà réglé. J'ai déjà fini avec les véhicules. Oui, j'ai les 3 véhicules sur le parc. Oui, qu'est-ce que je fais? Je les amène. Oui. Au lieu indiqué. D'accord. Non, mais là, il faut dire. J'ai pris 2 chauffeurs. Hein. Voilà. Donc, on s'occupe d'eux là. Dès qu'on arrive. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui t'a montré, il faut donner commission. Oui, d'accord. Donc, à tout à l'heure. Hein? Ok. Bon, allez, prenez les autres voitures. Non, 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 prenez les voitures. Oui, prenez la bouche, on va partir. Hein? Bon, allez, on est parti. Oui. Ben, je vous présente Tomate, la secrétaire de notre patron, au travail là-bas. Ah, madame. Soyez la bienvenue, madame. Toi, c'est. Pardon. Madame, excusez. Non, c'est pas grave. Ok. Bon, Guanou. Je peux connaître les nouvelles qui vous amènent ce midi? Diaby. Oui. Les nouvelles sont très tristes. Quoi? Très tristes. On a vendu ma cour? Non, pas une affaire de cour. Ah, est-ce que je peux les connaître, les nouvelles? Diaby. Nam. C'est Touré. Touré. Il a fait des gaffes au service là-bas? Parce que lui-là, il est difficile, hein? Touré. Ce matin très tôt, Touré a fait un accident de la circulation très grave. Il est mort en même temps. Koutou, tu dis quoi? Il est mort. Mais pourquoi la mort est bête comme ça? Aga! Aga! Vous êtes vous-même? Aga! Aga! Diaby! Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a fait tous les matins? Tu cries à quoi même? Hein? Bonjour madame. Bonjour madame. Vous venez du marché là, c'est bien les gens que vous avez trouvés. Asseyez-vous. Mmh. Je dis, aujourd'hui. Pour la première fois, je peux vous tutoyer. Ça va, monsieur Bongwano? Ça va, la monsieur Bongwano? Monsieur Bongwano, que je n'ai pas besoin de vous présenter, venez dans l'ancienne cour là. Je connais Bongwano, c'est pas toi qui vas me présenter Bongwano. Aïssa Bani. Madame Tomate. Je connais son nom. Mmh. Tout le monde m'a toujours parlé d'elle. En bien même. Toujours en bien. Et ton ami? Il est parti très tôt ce matin. Oui. Où il est? Il n'est pas venu à lui. Quand il est parti moi-même ce matin, je l'ai vu, il est parti en vitesse. C'est quoi? Ah, mais il pleut là. Quoi? Mais. Aïe, la fille. Pourquoi elle dit pardon? Si tu es garçon, pourquoi il t'appelle encore? Aïe. Mais les filles, il pleut dehors! Il neige! Oh, mais c'est quoi ça? Merde! Ah ouais. Nam. Les nouvelles qui font que monsieur et madame sont là ce midi sont très 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 mauvaises. Y'a quoi? Il s'agit de Touré. On a renvoyé Touré? On n'a pas renvoyé. Mais. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Touré est malade. Non. Touré a fait quoi? Ce matin, au service là-bas, Touré. Mais faut parler! Oh! Touré a fait un accident très grave à la colo. Non! Il n'est pas sorti vivant de l'accident. Non, non, c'est pas Touré. Touré est parti matin au travail. Quand il partait, il m'a dit.
Les fêtes sont foutues là. Non, mais c'est bon, Guano. Sinon, ce matin là, il est parti très tôt. C'est pas bon tour. Non, attends, vas-y, je vais. J'ai une course à faire. Tu vas où? Je vais appeler. Je te demande pas. Non, si, j'arrive. Go. Oh, il pleut là, ouvrez vite là. C'est pas possible. Ah ouais? Non. Il faut qu'on avertisse les parents de Touré. Madou. Il y a son frère Madou qui est là. Tu as son numéro? Oui. D'accord. Bintou, non. Faut m'envoyer mon sac. Faut appeler Nafi et tes frères. Les Aziz, là, informe-les. Touré. Ah, toi aussi, fais ça. Oui, mais un degré moins. Attends, qu'est-ce qui se passe avec les filles? Moi, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Moi, j'ai rien à me reprocher. Non, mais vu la tête que tu fais, tu as quelque chose à me dire, toi. Oui, il y a Rachel qui m'a surpris dans une chambre d'hôtel. Avec Rama, je suis sûr. Et ça, je suis sûr que c'est un coup monté par ce vaurien Dédi, je sais pas quoi, JC, un truc comme ça. Non, c'est pas une question de Dédi, JC. Tu nous as mis dans les pétrins, Hyacinthe. Tu t'en rends compte? Oh, ne te prends pas pour un saint, hein. Ne te prends pas pour un saint ici, là. Quoi? Nafi t'a aussi surpris avec la fille de la cabine? On est tous impliqués dans la même chose, alors essayons d'arranger ça au lieu de chercher un bouc émissaire à toutes. Je comprends pas ton. Elles m'ont mouillé, restons là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce que là, on est pas en train comme ça. C'est tout ce que tu as à me dire comme réponse. Moi, je pensais que tu avais grandi. Écoute-moi très bien. Si à cause de tes bêtises, Nafissa tout ne veut plus me voir, ça, je te le pardonnerai pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari a coué. Oh là là, c'est Touré. Il est parti dans les abîmes, emporté par le vent. Il est rentré dans une trajectoire de rivière noire qui a été bloquée. Oh là là, oh là là, Touré. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, oh, Touré est parti dans les abîmes comme ça. Monsieur Akwa, oui. Oui. C'est vrai que votre femme pleure, mais je lui demande d'avoir le mot juste à l'endroit de mon frère Touré. Je ne savais pas qu'elle était comme Victor Hugo. Monsieur Diaby, oui. Nous sommes au funérailles. Je ne vais pas être désagréable. Est-ce qu'il n'est pas allé dans les abîmes? Elle dit qu'il n'est pas allé dans les abîmes, Touré? Touré n'est pas allé dans les abîmes, il a été emporté par le vent. Hein? Ça veut dire quoi? Ça va. Et la trajectoire, où vous la mettez? Ça va, non, ça va. Non, je n'aime pas ça. Non, ça va, ça va. Monsieur Akwa, oui. Les nouvelles que nous avons dans cette cour cet après-midi sont pas bonnes.
Il s'agit de ton frère Touré. Il a eu un accident très grave au service et il est resté dans l'accident. C'est pas vrai, Djabi. Alors, Yacinthe, on n'entre pas? Je crois que je ne suis pas le bienvenu ici, madame. Mais tu es mouillé? On va rentrer ensemble. Ouvrez! Mais Touré! On voit de la nature. C'est dur. Bon, on n'y peut rien. Malheureusement. Je suis bien vu. Non. D'accord. Monsieur Akoué, oui. Comme c'est toi seul l'intellectuel de la cour, je te charge d'appeler les parents de notre frère Touré. Tu as des unités? Moi, j'ai toujours des unités. Tu as toujours des unités. Et c'est le premier là, non? Oui. Madou, hein? Oui. Hé, Touré, tu ne peux pas me faire ça? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Madou. Ah, oui, je suis Akoué, technicien de surface. Le voisin de votre frère, Touré. Oui. Bon. Oui, je suis au regret de vous annoncer le décès de monsieur Touré. Oui, ce matin. Oui, il y a eu un accident. Bon, il n'a pas pu survivre. Donc, oui. D'accord. Ce soir, alors. Merci bien. Merci. Monsieur Jacques, oui. Au prochain coup de fil, je voudrais que vous le dites, il est mort. C'est ça, déjà, comprends vite. Oui, ça, c'est vrai. Bon, je l'ai eu. Mm-hmm. Il a dit qu'il arrive même. Ah. Oui, il vient d'ici le soir, il sera là. Oui. Merci beaucoup. Madame, Monsieur Bongwanou, étant le propriétaire de cette cour, au nom de toute la famille, je vous dis merci et beaucoup de courage. Vous direz à votre tour à votre patron que nous avons reçu le message. Ok. Vous lui retransmettez, nous, à notre tour, nos condoléances. Merci. Vas-y, je suis de retour. Je suis avec ma copine Rachel. Elle va passer la nuit avec. Il n'y a pas de problème. Dis bonsoir à tonton d'abord. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Vous n'avez pas faim, ma fille? T'as dit, bien sûr. Alors, je vais demander à la servante de vous servir à manger. J'ai fait un bon plat de tchapidiano poulet. Je sens qu'on va bien manger. Bien sûr. Bon, tanti, on va à la cuisine. D'accord. Mais depuis que j'ai vu Navi, je n'arrive plus à dormir. Mais elle ressemble très pour très à la fille que j'ai eue avec ta soeur. C'est vrai. C'est vrai. Moi-même, depuis sa naissance, j'ai vu qu'elle n'avait aucun trait avec les autres enfants de Touré. Elle est belle, intelligente. Le sang. Ça ne se perd pas d'air. Oui. Justement, c'est pour cela qu'il va falloir que tu m'aides pour que je rencontre ta soeur pour discuter de cette histoire. Tu peux compter sur moi. Ah, merci. Bongwanou, tu vas demander la route. Et le patron me charge de leur dire de ne s'inquiéter de rien, qu'il a pris toutes les dispositions pour prendre les funérailles en charge. Allez, il prend tout en charge, quoi. Oui, monsieur. Ah, voilà. Merci beaucoup. Que demain matin, lui-même sera là avec tous les collègues. Ok. Voilà.
Une fois encore, mes condoléances, monsieur. Attends, laisse ça. Le monsieur là, c'est qui? Tout ce que je sais, c'est que c'est une connaissance à ma mère et à ma tante. Mais je crois qu'ils sont amis d'enfance. Ah bon? Parce que j'ai remarqué qu'il avait le regard tout le temps sur toi. Mais c'est un regard chargé de... Hein? Chargé de quoi? Ne panique pas. En fait, si j'ai bien remarqué, il avait un regard plein d'admiration pour toi. Ah, voilà qui est rassurant. Je sais pas. Je sais pas grand chose de lui qui justifie cette sympathie. Mais je crois que ma tante et ma mère ont dû lui parler de moi. Bon bref, on va appeler la servante et puis on va manger. Rentrer en chambre. Moussopla! Moussopla! Mais mon ami Djavi. Non. Asempa. J'ai compris. Monsieur Akwawe. Bon. On va donner la moitié de la route à madame et à mon frère Bongwanu pour qu'il puisse revenir avec l'autre moitié. Ok. Donc, vous avez la route. Bon, merci beaucoup. Ok. Bon, mais, allez, merci beaucoup, hein, madame. Bien. Allez, à bientôt. Ok. Allez. Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais une idée. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Stop.
tu arrêtes ce jeu, je pourrais m'occuper de toi comme j'ai l'habitude de le faire. Tu comprends? Auquel cas, tu perdras des deux côtés. Et voilà. Réfléchis bien, Yolande. Réfléchis bien. Voilà. Rachel, tu dors encore? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Rachel, calme-toi, explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Allez, dis-moi tout, ma chérie. Calme-toi, parle. Je l'avais surpris de ça. C'est fini pour moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Taisez-vous maintenant. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis passé chez toi. Il pleut, tu fais quoi, Déo, là? Entends? Non, attends, vas-y. Je vais... J'ai une course à faire. Tu vas où? Je vais appeler, je vais appeler. Je te demande pas. Non, si, j'arrive. Go, 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 go. Oh, il pleut là, ouvrez vite là. C'est pas Awa. Possible. Awa. Non. Il faut qu'on avertisse les parents de Touré. Madou, Madou. J'ai son frère Madou qui est là. Tu as son numéro? Oui. Bintou. Non. Faut m'envoyer mon sac. Faut appeler Nafi et tes frères. Les Aziz, là, informe-les. Touré, Touré, Touré. Ah, ton aussi fait ça? Oui, mais un degré moins. Attends, qu'est-ce qui se passe avec les filles? Moi, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Moi, j'ai rien à me reprocher. Non, mais vu la tête que tu fais, tu as quelque chose à me dire, toi. Oui, il y a Rachel qui m'a surpris dans une chambre d'hôtel. Avec Rama, je suis sûr. Et ça, je suis sûr que c'est un coup monté par ce vaurien DJB, c'est pas quoi, JC, un truc comme ça. Non, non, c'est pas une question de DJ, JC. Tu nous as mis dans les pétrins, Hyacinthe. Tu t'en rends compte? Oh, ne te prends pas pour un saint, hein. Ne te prends pas pour un saint ici, là. Quoi? Nafi t'a aussi surpris avec la fille de la cabine? On est tous impliqués dans la même chose, alors essayons d'arranger ça au lieu de chercher un bouc émissaire à tous. Je comprends pas ton... Elles m'ont mouillé, restons là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce que là, on est pas en train comme ça. C'est tout ce que tu as à me dire comme réponse. Moi, je pensais que tu avais grandi. Écoute-moi très bien. Si à cause de tes bêtises, Nafissatou ne veut plus me voir, ça, je te le pardonnerai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari a coué. Oh là là, c'est Touré. Il est parti dans les abîmes, emporté par le vent. J'ai rentré dans une trajectoire de rivière noire qui a été bloquée. Oh là là, oh là là, Touré, c'est pas vrai. Oh là là, Touré est parti dans les abîmes comme ça. Monsieur Akwawi. Oui. C'est vrai que votre femme pleure, mais je lui demande d'avoir le mot juste à l'endroit de mon frère Touré. Je ne savais pas qu'elle était comme Victor Hugo. Monsieur Diaby,
Monsieur Diaby, oui? Nous sommes au funérailles. Je ne veux pas être désagréable. Est-ce qu'il n'est pas allé dans les abîmes? Est-ce qu'il n'est pas allé dans les abîmes, Touré? Touré est pas allé dans les abîmes, il a été emporté par le vent. Hein? Ça veut dire ça va, quoi? Ça va, hein? ça va. Et ça la va. Trajectoire, où vous la mettez? Ça va, non, ça va. Non, je n'aime pas ça. Non, ça va, ça va. Monsieur Akowé, oui. Les nouvelles que nous avons dans cette cour cet après-midi sont pas bonnes. Il s'agit de... C'est Touré. Touré. Il a fait des gaffes au service là-bas. Parce que lui-là, il est difficile, hein? Touré. Ce matin, très tôt, Touré a fait un accident de la circulation très grave. Il est mort, il est mort en même temps. Koutou! Tu dis quoi? Il est mort. Mais pourquoi la mort est bête comme ça? Adia! Adia! Vous êtes vous-même? Adia! Adia! Diaby! Qu'est-ce qu'il a fait tous les matins? Tu cries à quoi même? Hein? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous venez du marché là, c'est les gens que vous avez trouvés. Asseyez-vous. Hmm? On vous dit aujourd'hui. Pour la première fois, je peux vous tutoyer. Ça va, monsieur Bongwano? Ça va, la maison? Monsieur Monsieur Bongwano, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Venez dans l'ancienne cour là. Je connais Bongwano. C'est pas toi qui vas me présenter Bongwano. Elle s'appelle. Madame Tomate. Je connais son nom. Mm-hmm. Touré m'a toujours parlé d'elle. En bien même. Toujours en bien. Et ton ami, il est parti très tôt ce matin. Oui. Où il est? Il n'est pas venu à elle. Quand il partait moi-même ce matin, je l'ai vu, il est parti en vitesse. Mais il pleut là! Va quoi? Mais! Hey, Nafi! Pour pas dire pardon, si tu es garçon, pour venir taper encore! Aïe! Mais les filles, il pleut dehors! Il neige! Oh, mais c'est quoi ça? Merde! Ah ouais? Même. Les nouvelles qui font que monsieur et madame sont là ce midi sont très 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 mauvaises. Y'a quoi? Il s'agit de Touré. On a renvoyé Touré. On n'a pas renvoyé. Mais. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Touré est malade. Non. Touré a fait quoi? Ce matin, au service là-bas, Touré. Mais faut parler! Ouais! Oh! Touré a fait un accident très grave. À la colo. Non. Il n'est pas sorti vivant de l'accident. Non, non, c'est pas Touré. Touré est parti matin. Touré est parti matin au travail. Quand il partait, il m'a dit de faire son foutu là. Non, mais c'est Bongwano. Sinon, ce matin là, il est parti très tôt. C'est pas mon Touré. Saint-Éram avait une chambre d'hôtel et moi qui le défendais. Ah, mais cette fois-ci, c'est une déclaration de guerre. Et je te promets que nous allons faire front. C'est la dernière fois qu'un homme se fout de nous. Tu vas sortir de ce lit, aller prendre une bonne douche et puis on va les attendre en bas. Plus
plus jamais un homme ne nous fera ça. Mais il s'agit de Hyacinthe, pas d'Hervé. Ma chérie, Hyacinthe, Hervé, au cerf blanc, bonnet, bonnet blanc. Et je te promets, ma chérie, de ne plus jamais te laisser seule. Bon. Tu peux regarder, hein? Vas-y, tu tout y est. Voilà. Non, ça, ça va. Okay. Non, monsieur, merci. Bon. Moi, je t'ai amené ici. Non, non, c'est non. Tu as payé, tu vas me donner une commission. Non, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, voilà. Ça, okay. Ça, ça aide là. Allez, tout est dedans. Oui, ça aide là. Est-ce que c'est complet? Voilà. Ok. Okay. Ça va? Bon. Ok. Maintenant, Eve, c'est un homme à part. Et puis, il t'aime, lui. Je ne voudrais pas que vous vous disputez à cause de moi. S'il y a bien quelqu'un qui a commencé ça, c'est Hervé, avec l'histoire de la cabine, tu t'en souviens? Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Tu comprends? Mais attends, on va fermer la parenthèse là. Allez, tu sors du lit, tu vas prendre une bonne douche. Ils vont nous lécher les pieds cette fois-ci. Vous méritez une bonne punition. Bonjour ma fille. Bonjour, bonjour. Et les gens de la cour? Chacun doit être dans sa maison. Voilà le propriétaire même qui sort. Ah, mon ami Pongano. Ah, Diaby. Quel vent ce midi. Bonjour. Bonjour, Diaby. Oui, tu m'as l'air triste là. Bonjour. Madame, bonjour. Aga! Allez, ça va aller, envoyez-la soir. Dépêchez-vous là, oh! Madame, excusez mon tempérament. Non, j'étais toujours comme ça. Diaby, chose. Madame Diaby. Madame. Ok. Oui. Bon, voilà. Non, non, ça déjà réglé. J'ai déjà fini avec les véhicules. Oui, j'ai les 3 véhicules sur le parc. Oui, qu'est-ce que je fais? Je les amène. Oui. Au lieu indiqué. D'accord. Non, mais là, il faut dire. J'ai pris 2 chauffeurs. Hein. Voilà. Donc, on s'occupe d'eux là. Dès qu'on arrive. Il n'y a pas de problème. Je serai tout à montrer, il faut donner commission. Oui, d'accord. Donc, à tout à l'heure, hein? Ok. Bon. Allez, prenez les autres voitures. Non, 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 prenez la voiture. Oui, prenez la bouche, on va partir. Hein? Bon, allez, on est parti. Oui. Ben, je vous présente Tomate, la secrétaire de notre patron, au travail là-bas. Ah! Madame. Soyez la bienvenue, madame. Toi, c'est... pardon. Madame, excusez. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bon, nous... Je peux connaître les nouvelles qui vous amènent ce midi? Diaby. Oui. Les nouvelles sont très tristes. Quoi? Très tristes. On a vendu ma cour? Non, pas une affaire de cour. Ah, est-ce que je peux les connaître, les nouvelles? Diaby. Nam. Ton frère Touré. Il a eu un accident très grave au service. Et il est resté dans l'accident. C'est pas vrai, Diaby. Alors, Hyacinthe, on n'entre pas? Je crois que je ne suis pas le bienvenu ici, madame. Mais tu es mouillé? On va rentrer ensemble. Ouvrez! Mais Touré! De la nature. C'est dur. Bon, on n'y peut rien. Malheureusement. Je suis Diaby. Non. D'accord. Monsieur Akoué, oui. Comme c'est toi seul l'intellectuel de la cour, je te charge d'appeler les parents de notre frère Touré. Tu as des unités? Moi, j'ai toujours des unités. Tu as toujours des unités. C'est le premier là, non? Oui, oui, oui. Madou, hein? Oui, oui. Hé, hey, Touré, tu peux pas me faire ça? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Madou. Ah, oui, je suis Akoué, technicien de surface. Oui, le voisin de votre frère, Touré. Oui, oui. Bon. Oui, je suis au regret de vous annoncer le décès de M. Touré. Oui, ce matin. Oui, il y a eu un accident. Bon, il n'a pas pu survivre. Donc, oui, oui.
D'accord, d'accord. À ce soir-là, alors. Merci bien. Merci. Monsieur Jacques, oui. Au prochain coup de fil, je voudrais que vous leur dites qu'il est mort. C'est ça, les gens comprennent vite. Oui, ça, c'est vrai. Bon, je l'ai eu. Mm-hmm. Il a dit qu'il arrive même. Ah. Oui, il vient d'ici le soir, il sera là. Oui. Merci bien. Beaucoup. Madame, Monsieur Bongwano, étant le propriétaire de cette cour, au nom de toute la famille, je vous dis merci et beaucoup de courage. Vous direz à votre tour à votre patron que nous avons reçu le message. Ok. Vous lui retransmettez, nous, à notre tour, nos condoléances. Merci. Vas-y, je suis de retour. Je suis avec ma copine Rachel. Elle va passer la nuit avec. Il n'y a pas de problème. Dis bonsoir à tonton d'abord. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas faim, mes filles? Tati, bien sûr. Alors, je vais demander à la servante de vous servir à manger. J'ai fait un bon plat de tchapidiane au poulet. Je sens qu'on va bien manger. Bien sûr. Bon, tanti, on va à la cuisine. D'accord. Pourquoi tu... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Allez, dis-moi ce qu'on a chéri. Calme-toi, parle. Je l'avais surpris dans une chambre d'hôtel. Qui ça? Yacine et Rama. Quoi? Yacine et Rama dans une chambre d'hôtel. Et moi qui le défendais. Ah, mais cette fois-ci, c'est une déclaration de guerre. Et je te promets que nous allons faire front. C'est la dernière fois qu'un homme se fout de nous. Tu vas sortir de ce lit, aller prendre une bonne douche et puis on va les attendre en bas. Plus jamais un homme ne nous fera ça. Mais il s'agit de Yacine, pas d'Hervé. Ma chérie, Yacine, Hervé, au c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Et je te promets, ma chérie, de ne plus jamais te laisser seule. Tu peux regarder, hein? Vas-y, tu tout y est. Voilà. Non, ça, ça va. Okay. Oh. Monsieur, merci. Non, merci. Monsieur, non. Monsieur, non. Tu dois me donner ici. Tu vas me donner commission. Non, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, voilà. Ça, okay. Ça y est dedans. Allez, tout est dedans. Oui, ça y est dedans. C'est complet. Voilà. Ok. Okay. Ça va? Bon. Ok. Maintenant, Hervé, c'est un homme à part. Et puis, il t'aime, lui. Je ne voudrais pas que vous vous disputez à cause de moi. S'il y a bien quelqu'un qui a commencé ça, c'est Hervé, avec l'histoire de la cabine, tu t'en souviens? Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Tu comprends? Mais attends, on va fermer la parenthèse là. Allez, tu sors du lit, tu vas prendre une bonne douche. Ils vont nous lécher les pieds cette fois-ci. Il mérite une bonne punition. Bonjour ma fille. Bonjour. Et les gens de la cour? Ah, chacun doit être dans sa maison. Hein. Voilà le propriétaire même qui sort. Ah, mon ami Bongwano. Ah, Yabi. Quel vent ce midi. Bonjour. Bonjour, Yabi. Oui, tu m'as l'air triste là. Bonjour. Madame, bonjour. Aga. Hey, ça va lui envoyer un soir. Dépêchez-vous là. Oh! Madame, excusez mon tempérament. Oh, j'étais toujours comme ça. Yabi, Madame Yabi. Madame. Ok. Oui. Bon, voilà. Non, non, c'est déjà réglé. J'ai déjà fini avec les véhicules. Oui, j'ai les trois véhicules sur le parc. Oui, qu'est-ce que je fais? Je les amène. Oui. Au lieu indiqué. D'accord. Non, mais là, il faut dire. J'ai pris deux chauffeurs. Hein. Voilà. Donc, on s'occupe d'eux là. Dès qu'on arrive.
Il n'y a pas de problème. Monsieur, tu t'as montré, il faut donner commission. Oui, d'accord. Donc, à tout à l'heure, hein. Ok. Bon. Et prenez les autres voitures. Non, prenez les voitures. Oui, prenez la bouche, on va partir. Hein? Bon, allez, on est parti. Oui. Ben, je vous présente Tomate, la secrétaire de notre patron, au travail là-bas. Ah, madame. Soyez la bienvenue, madame. Toi, c'est. Ah, pardon. Madame, excusez. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bon, Manon. Je peux connaître le. Oh, ça va! Oh, ça va! Je suis resté seul! C'est bon. Tes yeux vous menacent. Qu'est-ce que t'as vu? Je suis parti chez toi. Il pleut, tu fais quoi dehors là? Entends? Non, attends, vas-y. Je vais. J'ai une course à faire. Tu vas où? Je vais appeler. Je te demande pas. Non, si, j'arrive. Go. Oh, il pleut là. Ouvrez vite là. Awa, il faut qu'on avertisse les parents de Touré. Madou, il y a son frère Madou qui est là. Tu as son numéro? Oui. Bintou, il faut m'envoyer mon sac. Il faut appeler Nafi et tes frères. Les Aziz, là, informe-les. Touré. Ah, ils t'ont aussi fait ça? Oui, mais un degré moindre. Attends, qu'est-ce qui se passe avec les filles? Moi, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Moi, j'ai rien à me reprocher. Non, mais vu la tête que tu fais, tu as quelque chose à me dire, toi. Oui, il y a Rachel qui m'a suivi dans une chambre d'hôtel. Avec Rama, je suis sûr. Et ça, je suis sûr que c'est un coup monté par ce vaurien DJB, je ne sais pas quoi, JC, un truc comme ça. Non, c'est pas une question de DJ, JC. Tu nous as mis dans les pétrins, Hyacinthe. Tu t'en rends compte? Oh, ne te prends pas pour un saint, hein. Ne te prends pas pour un saint ici, là. Quoi? Nafi t'a aussi surpris avec la fille de la cabine? On est tous impliqués dans la même chose, alors essayons d'arranger ça au lieu de chercher un bouc émissaire à tous. Je comprends pas ton... Elles m'ont mouillé, restons là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce que là, on est pas en train comme ça. Mais c'est tout ce que tu as à me dire comme réponse. Moi, je pensais que tu avais grandi. Écoute-moi très bien. Si à cause de tes bêtises, Nafi Satou ne veut plus me voir... Ça, je te le pardonnerai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari a coué. Oh là là, c'est Touré. Il est parti dans les abîmes, emporté par le vent. Il est rentré dans une trajectoire de rivière noire. Qui a été bloqué, oh là là, Touré, c'est pas vrai, oh là là, oh, Touré est parti dans les abîmes comme ça. Monsieur Akwawi, oui. C'est vrai que votre femme pleure, mais la nouvelle qui vous amène ce midi. Yabi, oui. Les nouvelles sont très tristes. Quoi? Très tristes. On a vendu Makou? Non, pas une affaire de coup. Ah, est-ce que je peux les connaître, les nouvelles? Yabi. Nam. C'est Touré. Touré. Il a fait des gaffes au service là-bas. Parce que lui-là, il est difficile, hein? Touré. Ce matin, très tôt, Touré a fait un accident de la circulation très grave. Il est mort. Il est mort en même temps. Koutou! Tu dis quoi? Il est mort. Mais pourquoi la mort est bête comme ça? Adia! Non. Adia! Vous êtes vous-même! Adia! Adia! Yabi! Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a tous les matins? Il y a quoi même? Hein? Bonjour madame.
Bonjour. Vous venez du marché là, c'est les gens que vous avez trouvés. Asseyez-vous. On vous dit pour la première fois. Aujourd'hui. Pour la première fois, je peux vous tutoyer. Ça va, monsieur Bongwano. Ça va, la monsieur Bongwano. Monsieur Bongwano, que je n'ai pas besoin de vous présenter. On est dans l'ancienne cour là. Je connais Bongwano. C'est pas toi qui vas me présenter Bongwano. Aïssa Bani. Madame Tomate. Je connais son nom. Mm-hmm. Tout le monde m'a toujours parlé d'elle. En bien même. Toujours en bien. Et ton ami, il est parti très tôt ce matin. Oui. Où il est? Il n'est pas venu à elle. Quand il partait moi-même ce matin, je l'ai vu, il est parti en vitesse. Mm-hmm. Mais il pleut là! Va quoi? Mais! Va-t'en. Mais! Nafi! Pourquoi pas dit pardon? Si tu es garçon, pour venir taper encore! Aïe! Mais les filles, il pleut dehors! Il neige! Oh, mais c'est quoi ça? Merde! Awa! Nam! Les nouvelles qui font que monsieur et madame sont là ce midi sont très 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 mauvaises. Y'a quoi? Il s'agit de Touré. On a renvoyé Touré. On n'a pas renvoyé. Mais. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Touré est malade. Non. Touré a fait quoi? Ce matin, au service là-bas, Touré. Mais faut parler! Ouais! Oh! Touré a fait un accident très grave à la colo. Non. Il n'est pas sorti vivant de l'accident. Non, non, c'est pas Touré. Touré est parti matin. Touré est parti matin au travail. Quand il partait, il m'a dit de faire son foutu là. Non, mais c'est Bongwano. Sinon, ce matin là, il est parti très tôt. C'est pas mon Touré. Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais une idée. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Ce jeu, je pourrais m'occuper de toi comme j'ai l'habitude de le faire. Tu comprends? Auquel cas,
tu perdras des deux côtés. Et voilà. Réfléchis bien, Yolande. Réfléchis bien. Voilà. Rachel, tu dors encore? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Rachel, calme-toi. Explique-moi ce qui se passe. Je lui demande d'avoir le mot juste à l'endroit de mon frère Touré. Je ne savais pas qu'elle était comme Victor Hugo. Monsieur Diaby, oui? Nous sommes au funérailles. Je ne veux pas être désagréable. Est-ce qu'il n'est pas allé dans les abîmes? Elle dit qu'il n'est pas allé dans les abîmes, Touré? Touré est passé dans les abîmes, il a été emporté par le vent. Hein? Ça veut dire quoi? Ça va. Et la trajectoire, où vous la mettez? Ça va. Non, je n'aime pas ça. Non, ça va. Monsieur Akowin, oui. Les nouvelles que nous avons dans cette cour cet après-midi sont pas bonnes. Il s'agit de ton frère Touré. Il a eu un accident très grave au service et il est resté dans l'accident. C'est pas vrai! Diaby. Alors, Yacinthe, on n'entre pas? Je crois que je ne suis pas le bienvenu ici, madame. Mais tu es mouillé? On va rentrer ensemble. Hein? Ouvrez! Bon, on n'y peut rien. Malheureusement. Monsieur Diaby. Non. D'accord. Monsieur Akowin, oui. Comme c'est toi seul l'intellectuel de la cour, je te charge d'appeler les parents de notre frère Touré. Tu as des unités? Moi, j'ai toujours des unités. Tu as toujours des unités. C'est le premier là, non? Oui. Madou, hein? Oui. Hé, Touré, tu ne peux pas me faire ça? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Madou? Ah, oui, je suis Akowé, technicien de surface. Le voisin de votre frère, Touré. Oui. Bon. Oui, je suis au regret de vous annoncer le décès de M. Touré. Oui, ce matin. Oui, il y a eu un accident. Bon, il n'a pas pu survivre. Donc, oui. D'accord. Ce soir, alors. Merci bien. Merci. Monsieur Jacques, oui. Au prochain coup de fil, je voudrais que vous le dites, il est mort. C'est ça, déjà, comprends vite. Oui, ça, c'est vrai. Bon, je l'ai eu. Mm-hmm. Il a dit qu'il arrive même. Ah. Oui, il vient d'ici le soir, il sera là. Oui. Merci beaucoup. Madame, Monsieur Bongwanou, étant le propriétaire de cette cour, au nom de toute la famille, je vous dis merci et beaucoup de courage. Vous direz à votre tour à votre patron que nous avons reçu le message. Ok. Vous lui retransmettez.